plusieurs décennies que les Ayatollah Khamenei ne se sont pas vus pour discuter de la visibilité de cette dynastie qui n'est pourtant plus à présenter dans l'histoire des Tosono du Bénin. C'est donc autour d'une assemblée générale que les filles et fils Tosono du Bénin et de la diaspora, du plus petit au plus vieux, se sont retrouvés pour appuyer sur l'accélérateur du développement. Ce samedi 26 mai 2023, à la piscine municipale de Porto-Novo, les Tosono ont prouvé qu'ils ne sortent jamais sans valoriser tout ce qui est lié au fait. Et notables de la dynastie lancent officiellement les activités de l'AG, tout en décernant un satisfecit pour ce zèle qui prend corps au sein de l'ethnie. Quel honneur de me retrouver devant vous en cette occasion solennelle pour prendre la parole en vue de lancer officiellement les travaux des retrouvailles des Ayatollah Khamenei de la diaspora, des Tosono du Bénin et de la diaspora. D'ores et déjà, je vous remercie de cette motivation à se surpasser et ce don de soi pour donner une visibilité à la dynastie des Tosono Ayatollah Khamenei. La cour royale donne sa bénédiction et se rend disponible pour contribuer à la concrétisation des grandes propositions à l'issue de l'assise historique. Je puis vous assurer du soutien indéfectible de toute la cour royale et du bureau exécutif de l'association pour traduire dans les faits les résolutions qui seront prises au cours des présentes assises. Le débat est ouvert pour une dynastie rayonnante. L'implication de tous est recommandée par le comité. En effet, après plusieurs années d'existence de notre association, il nous paraît nécessaire de faire un bilan à mi-parcours au fait de nous protéger dans l'avenir pour un rayonnement sans précédent de la grande dynastie des Tosono Ayatollah Khamenei du Bénin. Pour ce faire, l'île ne sera de trop. Votre participation active au cours du débat desquels d'importantes résolutions seront prises constitue déjà une source de motivation au bureau de l'association pour la rédaction d'un mémorandum qui nous servira de prévière pour la prochaine année, pour les prochaines années. Après les échanges, on peut avoir une idée sur le projet phare que propose l'association des Tosono. Plusieurs projets sont en vue pour notre association qui vient d'avoir sa première assemblée générale ici à Porto-Novo, précisément à Wando Piscine. Parmi ces projets, l'un des projets phares est d'organiser la fête des Tosono du Bénin, qui regroupera de l'Est à l'Ouest, partout ailleurs, tous les Tosono du Bénin, pour désormais communier ensemble. Anis Pépé, Tosono 100%, se dit fier d'appartenir à cette dynastie. Son improvisation dit tout. Oh, my God.
Rideau fermé sur l'AG de l'association des Tosorons. De beaux jours se préparent pour les Ayatollahs Gamenou.